Le groupe de musique populaire nigérian, les frères Piskwe, ont donné à leurs fans de quoi se réjouir. Les frères, Peter et Paul se sont séparés en 2016 et sont depuis devenus des artistes solo à la déception de leurs nombreux fans. Les frères semblaient avoir mis le passé derrière eux alors qu'ils se suivent sur Instagram et ont également montré des gestes gentils envers leurs enfants respectifs. Les frères Piskwe ont fait des déclarations pour prouver qu'ils resteront frères pour la vie. Le célèbre duo s'est séparé en 2016. Depuis lors, les deux évoluent en solo, Peter changeant son nom en Mr. P et Paul qui devient Rude Boy. Ils semblaient s'être manqués en donnant le ton d'une réunion remarquable. Les frères se sont de nouveau suivis sur Instagram pour le plus grand bonheur de leurs fans. Leur retrouvaille ne s'est pas arrêtée au simple fait de se suivre sur Instagram. L'un des frères, Peter, emmène les enfants de Paul faire du shopping en masse avant Noël. Les enfants de Paul ont eu le plaisir de leur vie. Peter les a offert les beaux jouets, vêtements et bijoux. Rappelons que les enfants de Rude Boy avaient passé un bon moment alors qu'ils se rendaient pour un déjeuner d'Halloween mémorable à Atlanta aux États-Unis. Le trio d'André, Nathan et Nadia s'est présenté dans différents costumes de personnages et leur mère a partagé une jolie vidéo d'eux. Why light you there? 20 on light, now on light 20. On light. On up. Get this way, please. Sit down, guys. On light. Excuse me. What? Eh? Uncle Peter's baby. Wow. And look at all the toys. I don't need to do Christmas again. Uncle Peter is Santa Claus. Okay, I'll take a picture. You guys love them? They love it. Thank you so much. Wow. You guys. This is Christmas in November. Thank you. Are we supposed? What? I don't know. So why? Why are you making? That was so real. That was cute. Oh my god! Oh. Watch this picture. They will blow like this. Listen, everybody, let's practice our blow like this. Okay, guys. 3, 2, 1. Oh!
Not a good ability.